Et salut tout le monde, c'est Brick Chose Bone, toute nouvelle vidéo et la vidéo du week-end. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pas en tuto, mais on se retrouve pour une vidéo où je fais des lasagnes, donc une vidéo de type cuisine. Vous me direz dans les coms si vous aimez ça, et voilà. Et si dans les commentaires je vois qu'il y a le plus de gens qui aiment ça, on refera des vidéos cuisine. Il y avait eu un petit passage, je vous avais fait passer quand je faisais des spaghettis bolognaise. Mais j'ai jamais fait de vidéo cuisine comme ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo cuisine. Comment faire des lasagnes? Et oui, let's go to the party! Voilà comment faire des lasagnes. Je vous montrerai après comment faire un étage. Un étage qui veut à peu près dire ça, ça, viande. Et après, je filmerai comment j'étale la sauce tomate pour ceux qui aiment la cuisine. Oh là là, nous étalons la béchamel. Nous plaçons les lasagnes comme ça. Voilà. Voilà, après beaucoup de travail, j'ai pas tout filmé. Après toutes les fois où j'ai mis les lasagnes, la sauce tomate et la béchamel, j'ai pas filmé toutes les fois où j'ai fait ça, mais on a fait au moins plusieurs étages dans les deux trucs. Donc ça donne ça, à la fin ça donne à peu près ça. Lui il est un peu plus gros que lui. On a fait à peu près, ben ça se voit pas beaucoup, mais on a fait à peu près 4 étages. Là, béchamel, là, mais sauf que c'est caché par la tomate, donc... malheureusement. Donc voilà ce que ça donne. Et tout ça, ça va aller au four. Alors pour après, il faut attendre que le four monte en degré. Et puis une fois que ça sera assez monté, enfin une fois que le four sera assez chaud pour mettre les lasagnes, et ben nous le mettrons de suite dans à peu près 15 minutes. Donc il faut attendre que ça soit à 200 degrés. À peu près, je sais plus très bien, mais voilà. Là, le four, nous l'avons laissé monter à qu'il soit assez chaud. Et une fois qu'il a été assez monté, alors qu'est-ce qui gêne là? Voilà. Une fois qu'il a été assez monté, nous l'avons mis dans le four. Maintenant, il est dans le four. Nous allons devoir attendre entre 30 et 40 minutes en attendant que ça cuise. Et quand ça sera cuit, je ferai une vidéo où ça sera fini, ça sera cuit. Et ça sera de bonnes lasagnes aussi. Et si vous voulez même, je mettrai un petit extrait quand je mettrai les lasagnes dans l'assiette. Parce que c'est une vidéo cuisine, hein, donc on fait de vidéos où on cuisine et tout. Mais il y a toujours un petit bonus à la fin, un petit instant où on goûte ou bien où on met dans l'assiette. Bref, à tout de suite quand ça sera cuit. Et voilà, ça a fini de cuire. Super joli. Voilà, là je vais être servi. Et puis nous allons goûter. Voilà, oh là 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 là. Une tuerie. Ah, c'est bon, je change. J'en ai assez, je pense. Voilà. C'est vraiment une tuerie. Ok, goûtons. Une tuerie. Bon appétit, à tout de suite quand j'aurai fini. Et voilà, j'ai fini de bouffer. Je n'ai littéralement plus de bide. J'ai fini toute mon assiette. On a à peu près mangé tout ça. Donc on a à peu près mangé la moitié de la lasagne. C'était vraiment une tuerie. La seule défaut, c'est que c'était pas cuit au bout des... Parce que ça, dans les pâtes, au bout, sur le côté... Et ben c'était assez craquant parce que ça n'avait pas réussi à cuire au four. Mais franchement, au niveau du goût, du mélange, au niveau de tout ça, franchement, je dirais à peu près 18 sur 20. Franchement, c'était easy. C'était vraiment très très bon. C'était vraiment super. Franchement, les gens, n'oubliez pas de dire dans les commentaires si vous aimez bien les vidéos cuisine. Et si jamais YouTube débile a désactivé les commentaires des vidéos facecam, vous direz dans les commentaires des vidéos gaming.
Si jamais vous avez envie que je continue à faire des vidéos cuisine, en tout cas, moi j'ai trouvé ça une très très bonne idée, des vidéos de cuisine comme une vidéo du cuisine. Je bégaye. Une vidéo de cuisine comme vidéo du week-end, et ben c'est, je trouve ça une bonne idée, je trouve ça un bon concept. Sur ce, les gens, n'oubliez pas, si vous avez bien aimé les vidéos, n'oubliez pas de liker. Si vous aimez bien la chaîne, abonnez-vous. Pour passer, merci encore pour les 24 abonnés. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bientôt, il y aura bientôt une fin de vidéo. Enfin, là, elle va dire déjà. Elle va dé. N'oubliez pas de. Je sais plus quoi dire du tout. Voilà ce que je voulais dire. N'oubliez pas de me dire si vous aimez bien les intros au montage. Si vous aimez bien mes intros au montage, mon intro et mon intro de fin de vidéo. Parce que, vous voyez, j'ai fait des montages. Hein, comme depuis quelques temps, il y a une intro Emmerich Show avec de la musique. Et vous me direz si vous aimez bien l'intro de fin de vidéo. Sur ce, bye bye!